dans le triangle ABC, rectangle en A, soit D, le pied de la hauteur issue de A, sur l'hypoténuse BC. Les points E et F sont les projections orthogonales de D sur AB et respectivement AC. Les droites BF et CE se coupent en G. Prouvez que les aires de AEGF, AEGF et de BGC sont égales. L'air rose est égal à l'air bleu, ce qu'il paraît. Comment s'en sortir? Est-ce qu'on connaît des formules pour les aires de ces deux figures, pour le quadrilatère AFGE? On a du mal. BGC, on a du mal, il n'y a pas de hauteur, il n'y a rien. Comme astuce, on pourrait rajouter une aire, par exemple, celle que je hachure. L'air du triangle GFC il suffirait donc, vous voyez, j'ai additionné j'ai rajouté à l'air rose cet air HUE, ça nous fait le triangle AEC, et ici la bleue et la HUE, le triangle BFC. Ce serait plus facile. Donc, si je trouvais que l'air de ABC serait égal à l'air de BFC. Pour trouver ça, c'est-à-dire, il est en latin, l'air de AEC, facile, c'est un triangle rectangle. AC fois la hauteur AE sur 2. Ça devrait être égal. L'air de BFC, c'est un triangle base FC fois la hauteur issue de B sur FC, c'est BA. Sur 2. Pour que ça soit égal, il faudrait donc que AC fois AE soit égal à FC fois AB. Est-ce que c'est vrai ça? AC fois AE égale FC fois AB. AC fois AE. AE. AE est égal à DF. AE et DF sont des côtés opposés dans ce rectangle. Donc ça revient AC fois DF égale FC fois AB. Est-ce que ça c'est vrai? Et si j'écrivais ça sous forme de quotient de deux rapports égaux? Voyons, DF sur AB, est-ce que serait égal à FC sur AC? DF sur AB égale FC sur AC. Mais bien sûr que c'est égal, c'est le terrain de Thalès. Mettons ça au propre, passons de l'analyse heuristique de tout à l'heure
à la synthèse. Dans l'hypothèse où on a que DF perpendiculaire à AC et que BA perpendiculaire à AC, angle droit en A, donc DF parallèle AB, parce que deux perpendiculaires à la main droite sont parallèles entre elles. Du coup, je peux appliquer le théorème de Thalès dans cette configuration et j'ai DF sur AB est égal à FC sur AC. Deux rapports sont égaux, donc les produits en croix sont égaux. AB fois FC égale AC fois DF. Bien. Je peux remplacer DF par AE. DF par AE. DF égale AE. Côté opposé dans le rectangle AFDE, ça veut dire que cette égalité s'écrit aussi AC fois AE, AC fois AE égale AB fois FC. Du coup, AC fois AE sur 2 est égal à AB fois FC sur 2. Divise par 2, bien sûr, pour utiliser la formule de l'aire. L'aire de AC fois AE, AC fois AE, ça fois ça divisé par 2, c'est l'aire du triangle AEC. Égal AB fois FC. Ou autrement dit, FC fois la hauteur AB, c'est l'aire du triangle BFC. Je soustrais dans les deux triangles, donc AEC et BFC, je soustrais l'aire du triangle GFC. Je la soustrais, l'aire assurée. Du coup, en soustrayant l'aire du triangle GFC, il reste l'aire du quadrilatère AFGE est égal à l'aire du triangle BGC. Et voilà.